Allez, salut, 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 voilà. C'est toujours moi, nous sommes plus tard et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, sachez que j'ai déjà fait une première vidéo où j'ai expliqué un peu ce qui concernait cette bourse et puis les documents qu'il fallait pour pouvoir postuler. Et en grosso modo, j'ai essayé d'expliquer un peu, en quelque sorte, qu'est-ce que c'est que cette bourse de ETH Zurich. Voilà, sachez, et je réponds encore que c'est une bourse de la Suisse. Donc, pour ceux qui veulent postuler, sachez en même temps aussi que pour cette bourse, ça concerne que le master et le doctorat. En ce qui concerne la licence, vous pouvez juste faire des admissions et nous allons vérifier cela ici par exemple. Donc, pour ceux qui ont déjà un compte, ils peuvent venir là, remplir rapidement et aller poursuivre leur admission. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, ils peuvent venir là pour pouvoir créer un compte utilisateur avant de commencer. Mais avant tout, on va essayer comme ça de voir un peu le programme et puis comment faire pour pouvoir faire une admission et aussi à la bourse. Voilà, donc comme je vous le disais, pour la licence, vous voyez ici que la candidature c'est du 1er novembre au 30 avril. Voilà, vous pouvez seulement chercher des admissions, mais pas une bourse. Voilà, mais en ce qui concerne le master, c'est ce qui est là. C'est du 15 décembre, du 1er novembre, excusez-moi, du 1er novembre au 15 décembre à 12h. Voilà. Donc, pour rappel, ici, les candidatures déposées après la date limite ne seront pas prises en compte. Voilà. Donc, ça veut dire que le 15 décembre, ceux qui vont faire leur dépôt, je crois que l'application ne pourra pas marcher pour eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, par exemple, comme ça, si je viens pour pouvoir faire l'admission, si je prends par exemple la licence, pour ceux qui veulent faire la licence, si vous voulez forcément, vous voulez simplement avoir une licence, vous pouvez cliquer là. Voilà. Et pour voir un peu les programmes afin de pouvoir chercher une admission. Donc, ici, vous voyez un peu, ce sont les facultés qui sont là. Donc, pour ceux qui veulent voir, je vais mettre en français. Comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Donc, ici, vous voyez un peu les facultés qui sont là. Donc, si je veux faire par exemple l'architecture, je viens dans architecture génie civil, je clique là. Je rappelle encore, c'est pour l'admission seulement et non la bourse. Ceux qui veulent faire la licence. Donc, ici, arrivé là, qu'est-ce que je vois? Je vois ici qu'il y a des références en ce qui concerne l'architecture. Voilà. Et vous venez encore dans architecture ici. Ok. Et arrivé là, vous voyez un peu les éléments en ce qui concerne l'architecture, quels sont les éléments que vous devez avoir pour pouvoir chercher à postuler, un peu comme des conditions. Voilà. Et on vous dit aussi quels sont les éléments lointains et les objectifs proches et lointains. Donc, c'est ce qui est là. Voilà. Et arrivé là, vous allez avoir les informations sur l'admission et la demande. Donc, ici, voilà. Vous voyez là, certificat d'immatriculation suisse, ça c'est pour ceux qui sont originaires de là-bas. Et ici, ça c'est un baccalauréat en médecine humaine. Ça, c'est un peu à l'écart parce que c'est un peu différent de la procédure. Elle est très différente de la procédure normale. Donc, ça c'est la rentrée. La rentrée, ça c'est pour ceux qui étaient déjà là-bas et qui veulent repartir dans cette université-là. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est certificat d'immatriculation non suisse. Voilà, nous sommes des étudiants étrangers, donc nous allons cliquer ici. Voilà. Et arrivé là, voilà. Donc ici, voici les conditions d'admission et voici la procédure de la demande. Voilà. Et voici les exigences linguistiques. Donc, on va venir là d'abord pour voir. Procédure de la demande. Vous allez comprendre un peu comment est-ce que, quels sont les éléments qu'il faut avoir normalement pour pouvoir postuler. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'il faut faire aussi pour postuler. Pour une autre candidature réussie, nous vous recommandons de procéder selon les étapes ci-dessous. Donc ici, quand puis-je postuler? Donc vous savez déjà comment est-ce que ça se passe. Donc régulier du 1er novembre au 30 avril, vous pouvez postuler. Et si je viens ici par exemple, ça remplissez la demande en ligne dans e-application. E-application, c'est ce que je vous avais dit auparavant, c'est ici. E-application, c'est ce qui est là. Vous allez créer votre compte et puis essayer aussi de pouvoir remplir. Voilà.
Et une fois que vous finissez là, parce que si vous cliquez là directement, ça vous envoie, ça vous renvoie directement dans e-application. Voilà. Et ici, vous voyez ici, il y a des frais à payer. Voilà, payer des frais de dossier. Les frais de dossier sont facturés pour le traitement de votre dossier. Veuillez noter que ces frais sont non remboursables. Voilà, dans la plupart des temps, c'est pas aussi compliqué que ça. Pour le certificat suisse, pour ceux qui sont suisses, c'est 50 CNF, monnaie suisse. Et pour ceux qui sont étrangers, c'est 150. 150, je vais mettre l'équivalence à 150 euros. Voilà, pour ceux qui veulent postuler à 150 euros. Je crois que ça pourra marcher pour vous. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler pour la licence, voici un peu comment ça marche. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour le master. Voilà, donc ici, nous on vient là pour l'admission au master. C'est ce qui est là. Et vous allez choisir ici master et voir les programmes du master pour pouvoir essayer de voir un peu quelles sont les facultés que vous pouvez choisir. Donc, si moi je viens ici, par exemple, comme ça, et je choisis l'ingénierie en sciences, voilà, ici, et je vais voir un peu ce que renferme cette ingénierie. Donc, ici, moi je prends Computational Science and Engineering, ou bien Computer Science, bon, je vais prendre ce qui est là, Computer Science, et on me donne les propriétés lointaines, ou bien les propriétés immédiate plutôt. Donc ici, si je lis bien, ça c'est les éléments, c'est ce que je vais devenir et c'est ce que je dois avoir pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir postuler à l'admission. Donc ici aussi, qu'est-ce que je fais? Je viens là, par exemple, je prends ce qui est là, je viens là, on a Data Science ici, vous pouvez choisir Data Science. Moi, je vais prendre Data Science, ce qui est là, et je vais cliquer sur Read More. Voilà. Ça, ce que je fais, c'est pour chercher à avoir une admission et tout ça. Voilà. Donc, et en même temps, vous montrer aussi quels sont les paramètres de cette faculté. Donc, ici, si vous remarquez bien, la langue d'enseignement, c'est quoi? C'est l'anglais. Voilà, n'oubliez pas. Donc, ça veut dire que si vous voulez vraiment postuler à cette bourse-là, vous devez avoir un certificat en anglais pour pouvoir postuler pour l'admission et aussi postuler pour la bourse. Voilà. Donc, c'est un peu les paramètres qui sont là. Donc, si moi je veux postuler, c'est très simple. Je vais essayer d'abord de créer un compte et ensuite chercher à postuler pour l'admission et aussi postuler pour la bourse. Donc, je vais créer un compte ici. Je clique sur créer un compte. Voilà. Et je dois chercher à remplir tout ce qui est là afin de créer mon compte. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Voilà. Donc, on y va. Ici, par exemple, comme ça, je vais choisir le clavier virtuel. Comme ça, vous tous, vous allez voir un peu comment ça marche. Voilà. Donc, ici, c'est quoi? Le nom, le prénom. Je vais changer. C'est en russe. Je vais mettre ça en français. Ou bien clavier anglais. Donc ici, par exemple, c'est le nom. Je prends un nom comme ça. Je mets le prénom. Ok. Donc ici, si vous avez un autre prénom, prénom de correspondance, marque. Ici, par exemple, selon le document officiel, par exemple, vous avez Mac Peter Raf. Voilà, donc prenons les correspondances, vous pouvez prendre Mac ou bien vous pouvez prendre Peter, ça va dépendre de vous. Voilà, donc moi, prenons les correspondances, je vais recopier ce qui est là. Étant donné qu'il y a seulement que deux, donc je vais copier ce qui est là pour coller ici. Ok. Ici, ancien nom, c'est pas la peine. La date de naissance, étant donné que je viens pour un master, je vais choisir 2002. La date de naissance, 2002. Ok, le 5.
Ok, donc j'ai choisi le 5K 2002, troisième mois, le 5. Voilà, donc le sexe c'est quoi? C'est mâle, un homme. Ok, la langue maternelle ici, je vais choisir quoi? Français. Et numéro de sécurité sociale, vous n'êtes pas suisse donc vous n'en avez pas. Et ici, citoyenneté Côte d'Ivoire. Ok, donc une fois que je finis là, ici par exemple, comme ça, vous devez télécharger une photo pour mettre là. Donc, moi je vais aller chercher une photo. Donc, je clique sur choisir une photo ici. Voilà, si vous remarquez bien, les éléments qui sont en astérisque sont des éléments qui sont un peu comme obligatoires. Donc, je vais choisir une photo là. Je vais cliquer sur choisir un fichier. Voilà, j'ai choisi une photo. Et je vais, une fois que vous choisissez la photo, vous cliquez sur upload photo. Ici, vous cliquez là, ça va apparaître dans les normes, ça doit apparaître là. Vous voyez, ils disent que l'aspect de ma photo n'est pas très requis, donc je dois changer de photo. Je dois choisir une autre photo. Voilà, mais on va continuer et puis après, je vais revenir changer la photo une fois que je vous montre comment est-ce que ça marche et puis comment est-ce que vous devez postuler. Je vais finir l'enregistrement et puis venir vous montrer comment prendre la photo. Donc ici par exemple le mail, là, je vais choisir le mail. Le mail c'est quoi? Je vais mettre mon mail. Mon brousse. Ok, et le password, ça sera à vous-même de voir le password. Mais pour aller un peu plus vite, moi je vais choisir le password qui est juste là pour ne pas rester sur cette vidéo. Donc, une fois que vous finissez, maintenant ici, vous devez remplir tous les coordonnées. Voilà. Parce que j'essaie de faire comme ça pour vous aider, pour que vous puissiez au moins postuler. Donc, je vais essayer d'aller un peu jusqu'au bout pour que tout le monde puisse le faire. Même si ce ne sont pas de vraies informations, mais vous devez savoir comment les faire. Donc ici, par exemple, si vous êtes dans un pays, par exemple votre pays actuellement, et que vous n'êtes pas l'étranger, alors vous pouvez cliquer là. Vous allez comprendre que tous les éléments comme adresse qui se trouvent vers le haut peuvent descendre vers le bas. Vous comprenez? Voilà. Donc une fois que vous cliquez là, vous voyez un peu. Et ici, comme ça. Street number où vous habitez, tout ça, moi je vais prendre ce qui est là. Voilà, et le pays c'est quoi? Côte d'Ivoire. Ok, et ici par exemple, comme ça, le zip code, essayez de voir un peu chez vous, ou bien regardez sur internet, vous allez voir le zip code chez vous, dans votre pays, ou bien dans votre localité, dans votre ville et tout ça. Voilà. La ville Abidjan. Ok. Ok, send correspondent to permanent address, study address. Donc ici, je vais mettre en français, comme ça. Vous allez comprendre. Donc, adresse permanente. Adresse de l'étude, adresse permanente, on choisit ça. Téléphone, vous mettez votre téléphone. Voilà, téléphone portable, vous mettez. Votre adresse peut être divulguée à des tierces. Donc ici, je vais mettre non. Ok, donc ici, le téléphone, je vais mettre quoi? Ici, plus 225. Avec 5 plus 59 endroit 12 44. Ok, donc je répète encore. Maintenant, je vais aller rechanger la photo.
tous les éléments qui sont en astéris, par exemple comme ça, tous les éléments qui sont en astéris, c'est déjà ok. Donc je vais maintenant aller chercher comme ça. Une fois que vous remplissez ici l'adresse d'étude, vous pouvez cliquer là, tout va apparaître de l'autre côté. Ça veut dire que tout est identique. Voilà, rien n'échange. Donc ce qui est ici, vous avez vu, ça apparaît là. Ça veut dire que tout est identique, rien n'échange. L'adresse d'étude, c'est l'adresse permanente. Donc vous n'avez pas de problème pour ça. Donc maintenant, c'est un peu ça. Donc une fois que vous finissez de remplir tout ça, vous allez venir ici pour cliquer ici. Voilà, parce que je n'ai pas une bonne photo, alors je ne peux pas cliquer directement sur registre. Mais vous pouvez cliquer sur registre parce que vous allez mettre une bonne photo. Et pour la photo, pour ne pas que cela refuse à chaque instant, prenez une photo de 35-45 mm. Voilà, en ce qui concerne les exigences. Donc après, vous cliquez sur ce qui est là, sur registre, et vous allez vous enregistrer. Maintenant, vous pourriez maintenant aller chercher à faire quoi, à postuler pour l'admission. Donc, je ferai une vidéo tout à l'heure pour pouvoir continuer en ce qui concerne l'admission, et à tout à l'heure, les gars.